Good morning, allez, Idan et Tsutra aujourd'hui, il est le Nishmat Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, ainsi que l'Irfoua Tranale Abad Gitel Devora, Sarah Bat Nechama et Efat Bat Sarah Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhat Shkalim, Perek Gimel Mishnah Dalet. Taram et Harishona ou Mechape Bekatavlaot. Shnia ou Mechape Bekatavlaot. Shlishit loaya Mechape. Shema Ishkach Veitrom. Minadavar Atarum. Il y a un problème aussi, on a fait le Shlishi de l'Oyam Echapé. Shema Ishkach, Vitro Minadavar Ataoum. Taram et Arishona, le Shem Eret Israël, ou Shnia le Shem Krakim, Amokafim, là, ou Shlishi, la Shlishit, le Shum Bavel, ou le Shum Madai, ou le Shum Medinot Harechokot. Je traduis directement toute la Mishnah, et puis après on va expliquer des notions qu'on a déjà évoquées plein de fois, que ça va être encore plus détaillé cette fois-ci. Taram et Arishona, il va faire le premier prélèvement, donc, si on s'en fie à, si on se fie à ce qu'on avait appris au début de la Mishnah, début du Perek. Donc Taram et Harishona, ça correspond à Rosh Chodesh Nissan, ou 29 Adar, enfin Rosh Chodesh Nissan. Taram et Harishona, il va prélever la première Koupa, et ce qu'il reste, Mechapé Biktavlaot. Il va le couvrir avec des Ktavlaot. Des Ktavlaot, ce sont des peaux en cuir, des peaux pas travaillées, c'est-à-dire des peaux d'animal qu'on a pris, qu'on a juste piétine un petit peu, mais qui en sort encore truc comme ça. Donc on recouvre, en fait, ils utilisaient ça à l'époque, même en guise de... pour se reposer un petit peu, c'était les cuirs de l'époque, les salons de cuir de l'époque, c'était vraiment des peaux en cuir, et ça s'asseyait dessus. Ça, c'est le Ktavlaot. En tout cas, donc il a, une fois qu'il a, il y avait, donc on reprend, il y avait le premier tas de pièces, on avait récolté, on avait déjà commencé à bien récolter, et puis là, une fois qu'il a fait le premier prélèvement, il recouvrait le tout avec des, avec une Ktavlaot, avec des peaux, il recouvrait. Après, bien sûr, les Shkalim continuaient d'arriver, parce qu'on avait déjà expliqué longuement que ceux qui habitaient plus loin d'Yerushalayim, ça n'arrivait pas tout de suite depuis Rosh Chodesh Nissan, ça prenait un peu plus de temps, parfois même 2 semaines, 3 semaines, ça arrivait après Pessah. Alors quoi? Eh bien, alors ceux qui arrivaient, on le rajoutait sur la première peau. Donc en fait, on avait en fait, sur le premier tas de pièces, il y avait un premier tas de pièces, duquel on avait déjà prélevé le premier prélèvement en Nissan, on a recouvert des peaux, on a apporté les deuxièmes pièces, on les a mises maintenant dessus. Vient la deuxième période, le deuxième moment de faire le prélèvement. On va se retrouver donc 15 jours avant Shavuot ou depuis le Rosh Chodesh Sivan. On va maintenant faire le deuxième prélèvement et ensuite, on met Chapeba Katavlaot. Encore une fois, on va recouvrir avec des Katavlaot. Shlishit, Loya Mechapé. Par contre, après, passé Shavuot, on continue maintenant, on continue à récolter l'argent cette fois-ci. C'est plus les gens d'Israël, ils ont tous eu le temps d'envoyer, même ça a pris 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais tout l'argent est arrivé. Il y a aussi des juifs en diaspora, en Babel, en Babylonie, en Perse. Alors quoi? Eh bien eux, c'est eux que leur shkalim arrive en dernier, on les mettait en dernier, et puis on allait faire le troisième prélèvement, et là il y avait plus besoin de recouvrir avec les Ktavlaot. D'accord? Shlishit, loyam mechapé. La troisième, il n'y avait plus besoin de la recouvrir. Et la Mishnah me dit une phrase, c'est pour ça que je l'ai mal lu tout à l'heure, parce que la Mishnah me dit « Shema ishkach veitrom minadavar atarum » de peur qu'il va oublier et reprélever de ce qui a déjà été prélevé. En fait, c'est une phrase qui se rapporte plutôt sur la première et deuxième fois, mais pas sur la troisième. La Mishnah, elle vient m'enseigner, il faut mettre ces pots ici, tu dois séparer les premières pièces duquel tu as fait le premier prélèvement des deuxièmes, de peur que si tu ne recouvres pas, tu vas machinalement arriver, tu vas prendre des pièces qui ont déjà été prélevées. En fait, maintenant on explique un petit peu mieux. On a déjà expliqué dans les Mishnah précédentes que lorsqu'on prélève, on en fait bénéficier tout le peuple d'Israël. Ouais, même si votre pièce n'est pas encore arrivée au Bet Hamikdash, lorsqu'on a prélevé, le premier prélèvement en Nissan, on en a fait bénéficier pour tout le peuple d'Israël qui ont déjà envoyé leur Shkalim. Donc, vous vous êtes acquitté de la misa du Korban. Ok, ça c'est sûr. Malgré tout, lorsqu'on va faire le premier prélèvement, alors parmi les pièces qui sont là, eh bien c'est comme qu'on fait un prélèvement de Tourmot ou Maasrot. Au début vous avez un Tevel, tout est mélangé. Dès qu'on a prélevé, alors il y a ce qui a été prélevé et il y a le reste. Le reste, c'est pas comme ce qu'il y avait avant. C'est devenu quelque chose de réparé. Tous les Shkalim qui étaient là, ils ont tous contribué à faire le premier prélèvement. Du coup, ce qui reste maintenant du premier prélèvement, ça s'appelle les Shirei Alishka. C'est les restes de l'Alishka. On ne pourra plus apporter des korbanot à partir de cet argent-là.
Il faudra attendre spécialement de l'argent qui n'a pas encore été prélevé. D'accord? Je vous ai évoqué pour l'histoire des troumes automassantes. Vous avez 10 fruits devant vous, 100 fruits devant vous, vous devez prendre deux fruits qui vont être tout au McDo. Pour le moment, c'est tout ével. Vous pouvez prendre de là, vous pouvez prendre de là, vous pouvez prendre de là. Dès que vous avez décidé de prendre deux fruits et que c'est devenu la trauma, lui c'est devenu la trauma et le reste c'est plus du tevel. C'est plus du tevel qui a. Ça change de statut. Ça devient des fruits réparés. Dans Touma Tomasrot, il y a encore d'autres étapes. Mais en tout cas, ça a déjà été réparé par rapport au trauma. Même principe avec l'argent. C'est plus. Tu dois prélever de l'argent de ce qui n'a pas encore été prélevé. Mais dès que tu as prélevé, alors ce qui a été prélevé, ça va pour les corbanotes. Ce qui reste ne va plus pour les corbanotes, négativement. Par rapport à ce qui va bientôt arriver, on va devoir prélever à nouveau de cette partie-là. D'accord? Ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie de la Mishnah. Taram et Tarishona, la Shemana d'Israël. La Mishnah me dit, le premier prélèvement, il le fait pour les habitants d'Israël. Ushniya, les Shum Kreakin, Amukafimla. Il le fait pour les villes fortifiées qui étaient, pour les grandes villes qui étaient Mukafimla, qui étaient proches d'elles, à proximité d'Israël. Veashlishit, et le troisième prélèvement, il le faisait au nom de, les Shum, au nom de Babel, Babylone, ou le Shum Madaï, et pour la Mède, la Midi, ou le Shum Medinot Arichokot, et pour toutes les villes tous les pays qui étaient lointains d'Israël, donc. Concrètement, comme ce qu'on a dit, quand on prélève, on en fait bénéficier tout le monde, mais pour donner du kavod, et marquer plus le prélèvement, comme ça les gens ils se sentent encore plus proches de ce qui se passe au Beth Amikdash, ils sont plus concernés, plus affinité, je sais pas comment dire. Donc, du coup, quand on fait le premier moment, on le fait, bon, ça c'est gras, on va dire, au nom des habitants d'Israël, c'est pas au nom d'Israël, on fait une c'est pour tout le peuple d'Israël, mais comme si on marque, ça c'est grâce aux habitants d'Eretz Israël, et ça c'est grâce aux habitants de qui habitent plus loin, qui ont quand même envoyé leur chkalim, mais ça c'est grâce aux habitants de Babel et de Madaï, d'accord? On avait la même notion dans ma Sakhim, que ça existait de faire la shrita pour du Korban Pessar, par exemple. Quelqu'un qui disait je vais faire la shrita pour mon premier fils et par lui, pour mon premier fils qui va à Yerushalayim, je voulais le motiver à courir à Yerushalayim et je le fais pour lui, mais bien sûr tout le monde mangera avec lui, finalement il n'y a qu'une différence, parce que c'est Reuven, Shimon et Lévi, mes trois enfants qui vont rentrer un avant l'autre, le premier qui va rentrer à Yerushalayim, ça va s'appeler que maintenant le korban c'est grâce à Reuven qu'on mange ou grâce à Shimon, concrètement il n'y a qu'une différence, chacun peut manger mais ça laisse plus de kavod aux choses, plus d'attachement à la chose, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Sela.